trois chèvres Billy. Il était une fois trois frères Billy Book qui vivaient sur une colline herbeuse près d'une rivière. Ils n'avaient pas de maître et ils n'avaient pas d'amis. Les frères Billy Book pouvaient donc faire ce qui leur plaisait. Wouhou ! Youpi ! Attention à vous, les gars. Ceci est le petit Billy Book bourru. Et c'est le moyen Billy Book bourru. Et enfin, lui, c'est le grand Billy Book bourru. L'aîné est le plus grand de tous les Billy Book bourrus. Les trois frères vivaient heureux sur la colline, passant leur journée à grignoter de l'herbe, boire de l'eau fraîche de la rivière et jouer les uns avec les autres toute la journée. Je suis peut-être le plus jeune, mais je suis le plus rapide. Il est trop rapide. Il est tellement mignon. Ça, il l'est. Les deux frères aînés adoraient le petit Billy Book bourru, même s'il était méchant et espiègle. Tout allait bien dans leur monde, jusqu'au jour... Un jour terrible, quand les frères se réveillèrent d'un sommeil, ils regardèrent autour d'eux pour voir qu'ils avaient mangé toute l'herbe de la colline. Ah non! Que mangerons-nous maintenant? Cela signifie-t-il que nous devons attendre que l'herbe repousse? Non, cela prendra presque une semaine. Nous mourrons de faim d'ici là. Ah non! Je ne veux pas mourir de faim. J'ai déjà faim. Hé, petit, ne t'inquiète pas. Regarde de l'autre côté de la rivière, il y a là-bas une prairie luxuriante remplie d'herbes délicieuses. C'est vrai, tout ce que nous avons à faire est de traverser le pont et alors nous pourrons manger toute l'herbe que nous voulons. Mais traverser le pont en bois sur la rivière était dangereux. Et les frères Billy Book le savaient très bien. Parce que sous ce pont en bois vivait un horrible troll, malodorant et de couleur verte, et qui avait des dents pointues et un gros nez rouge. Le troll mangeait du poisson pour gagner sa vie, mais il avait toujours espéré qu'un jour, il serait en mesure d'attraper un bouc et de le manger. Oh, j'en ai marre de manger du poisson. J'ai besoin d'une pause. J'ai besoin d'un cigot. Je veux dire un bouc à manger. Qui traversera le pont en premier? Celui qui essaye de le traverser le pont en premier n'y arrivera jamais parce que le troll va... C'est vrai, le troll n'épargnera pas le premier bouc. En tant que frère aîné, il est de mon devoir de sacrifier ma vie pour vous. Laissez-moi y aller pour que vous puissiez aussi vivre. Alors, le petit bouc bourru parla. Pas besoin, mon frère. Tiens, moi, j'ai un plan. Un plan? Un plan? Et donc, Petit Bouc Bourru parla de son plan à ses frères. En êtes-vous sûr? Absolument! Prenez soin de vous, les petits. Allez, à plus! Le petit Billy Book sourit et, prenant une profonde respiration, descendit le flanc de la colline. Clip-clop, clip-clop, marchant avec ses petits sabots sur le pont de bois. Qui est ce truc qui passe sur mon pont? C'est moi, Petit Bouc Bourru. Je passe sur la rivière pour manger l'herbe de l'autre côté. Ah non, il n'en est pas question. Disant cela, l'horrible troll se précipita sur le pont. Au lieu de cela, j'ai une meilleure idée. Je vais te manger. À cela, Petit Bouc Bourru frissonna pendant un court instant. Puis il dit. Je ne mange pas que vous voudriez me manger. Vraiment? Et pourquoi ça? Vous voyez, je suis le plus petit bouc bourru. Je ne ferai pas un très bon repas. Mais si vous attendez un peu plus de temps... Mon frère aîné, bouc moyen, bourru, viendra. Il est beaucoup plus grand que moi. Bien. Alors, vous pouvez traverser le pont. Et ainsi, petit bouc bourru, clip-clop, sur le reste du pont et bientôt arriva
sur la prairie luxuriante. Pendant ce temps, de l'autre côté de la rivière, les deux frères virent que leur plus jeune frère était en sécurité. C'est à mon tour maintenant. Prudence! Et ainsi, c'était parti. Moyen Bouc Bourru descendit la colline. Clip-clop, clip-clop, avec ses sabots sur le pont de bois. Qui est le truc qui passe sur mon pont? C'est moi, Moyen Bouc Bourru. Je vais sur la rivière pour rejoindre mon frère dans le pré et manger l'herbe délicieuse. Ah non! Il n'en est pas question! Et une fois de plus, l'horrible troll monta sur le pont. Au lieu de cela, j'ai une meilleure idée. Je vais vous manger. À ce moment-là, Moyen Bouc Bourru, tout comme son jeune frère, frissonna un instant et dit. Eh bien, vous pourriez me manger, mais vous feriez une erreur. Vraiment? Et pourquoi? Vous voyez, si vous attendez juste un peu plus longtemps, mon frère aîné, Grand Bouc Bourru, viendra. Il est le plus grand de tous d'entre nous et vous fera un repas lourd. Très bien. Soyez partis avec vous. Et ainsi, Moyen Bouc Bourru, clip-clop sur le reste du pont et bientôt rejoignit son frère dans le pré luxuriant. Maintenant, sur le flanc de la colline, Grand Billy Bouc Bourru a vu que ses deux frères avaient traversé la rivière en toute sécurité. Et donc, il est parti en bas de la colline. Clip-clop, clip-clop faisait ses sabots sur le pont de bois. Hein? Qui c'est ce truc qui pèse sur mon pont? C'est moi, Grand Bouc Bourru. Je vais sur la rivière pour rejoindre mes frères sur le plai et manger l'herbe délicieuse. Non, pas question, car je vais vous engloutir. Eh bien, vous le pourrez, mais mes frères ne vous ont-ils pas parlé de mon enchantement? Votre enchantement? Oui, voyez-vous, j'ai été béni par un ermite. Quiconque voit ma réflexion dans l'eau se transformera en un beau prince. Vous pouvez aussi, et puis vous n'aurez pas besoin de me manger. Au lieu de cela, vous aurez votre propre palais, des femmes de chambre et des princesses à votre service. Le troll adorait l'idée de tout cela. Moi? Un prince? Oui! J'ai toujours voulu l'être. Venez ici maintenant et montrez-moi votre affection. Bien sûr! Et comme les frères chèvres l'avaient prévu, Grand Bouc Bourru percuta le troll jusqu'à la droite du pont et le fit tomber la créature puante dans la rivière. Non! Et donc, c'est joyeusement que Grand Bouc Bourru rejoignit ses frères dans le pré. Et comme vous pouvez le voir, ils y vivèrent heureux, grignotant l'herbe et buvant l'eau de la rivière. Quant au troll, on ne l'a jamais revu. Sa cupidité a pris le dessus sur lui. Car la cupidité, voyez-vous, est la cause de sa destruction.